En Guinée, le secrétaire général du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, a affirmé hier que 15 personnes ont été blessées dans l'attaque du siège de son parti à Conakry. Il accuse l'opposition. Mamadou Mokhtar Diallo, membre du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition, a rejeté les accusations. Il a été joint par Mam Campbell Touré. Cela ne nous surprend pas de la part du RPG qui a fait du mensonge, de l'intoxication, un instrument de gouvernance et de conquête du pouvoir. Rappelez-vous, lors de la campagne de la présidentielle dernière, ils avaient aussi inventé que l'opposition avait empoisonné ses militants et ce qui avait occasionné une chasse des militants de l'opposition à Haute-Guinée. Et il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'inventions, ce genre, qui sont l'œuvre du RPG. Donc ce n'est pas pour nous une surprise. Mais Mamadou Mokhtar Diallo, ce sont des faits reconnus par Traoré Zalikatou Diallo, qui est secrétaire général du parti PEDN de l'ancienne Akouyaté. Elle a dit que ceci a été fait en représailles à des jets de pierre qui avaient accompagné la traversée du cortège de l'opposition devant le siège du RPG. L'opposition devait organiser un meeting conformément à la loi. Les forces de l'ordre nous ont empêchés d'organiser ce meeting en blessant et en arrêtant nos militants et en jetant du gaz lacrymogène sur les leaders que nous sommes, y compris des militants de l'opposition. Et même des journalistes avaient été tabassés, molestés par les gendarmes et les policiers. Nous sommes venus au siège de l'UFDG où on a tenu un grand meeting. C'est de là que nous avions décidé ensemble de raccompagner M. Alassane Akouyaté, président du PDN, à son domicile à Matoto. Arrivés au niveau du siège du RPG, ils ont jeté des pierres sur notre cortège. Nous avons enregistré d'ailleurs des cas de blessés et de destruction de nos véhicules. Et c'est ainsi que certains membres de l'opposition qui étaient dans le cortège ont répliqué. Ce sont eux qui ont provoqué notre cortège. Sinon, le parcours qu'on a fait, on a même dépassé des services de gendarmerie et il n'y a eu aucun problème. Ça devait être, je crois, le démarrage d'une grande campagne de sensibilisation à travers tout le pays pour contraindre, selon vos propres termes, le président Alpha Condé à organiser des élections législatives consensuelles. Alors, est-ce que c'est un coup d'arrêt? Non, ce n'est pas un coup d'arrêt. L'opposition, représentée par le collectif LADP, est plus que jamais déterminée à s'opposer à cette volonté du pouvoir d'instaurer un régime autocratique, autoritaire, un parti État. L'opposant guinéen Mamadou Mokhtar Diallo avec Mam Campbell Touré. Autre information, le siège du parti de l'opposant, l'ancienne Kouyaté à Kouroussa, sa ville natale, a lui aussi fait l'objet d'attaques hier.